Coucou tout le monde, on se retrouve pour une troisième vidéo. Je voulais en faire deux, mais la première vidéo, j'ai oublié de la faire toute seule parce qu'elle était très longue. C'était pour les défis d'avril. J'ai déjà reçu deux participations. Et là, je viens de recevoir. Je vais chercher à mon garrolet. Ma box du mois d'avril. Attends, je vais faire ma chambre. Oui. Bon, il y a la box d'avril et il y a des petites choses que j'avais demandé de rajouter. En plus, ça. Bien scotché. Oh, il faut aller. Attends. Attends. Voilà. Hop. Attends, je vais tout le mettre là. Sinon, on va plus rien voir. Voilà. Alors, découvrons ensemble ce qu'il y a dans le carton. Attends. Hop, déjà, on a du papier pour le protéger que je vais garder. La facture. Oui, il y a plusieurs. Ouais, je vais vous montrer au fur et à mesure. Ah, il y a deux choses qui ne sont pas arrivées. C'était les papiers. Il y a deux choses qui ne sont pas arrivées. C'est les papiers de riz Stamperia qu'elle enverra quand elle les aura. Alors. Oui, du coup, j'arrive. Hop. C'est bien produit. Une fois ça pourrait être la box, je vous montre d'abord ce que j'avais commandé en plus. Donc, il y a un papier de riz, c'est celui-là. Donc, j'ai vu une fille qui l'a fait en Micmédia. Oh, c'est une tuerie. Et du coup, je l'ai pris. Donc, c'est format A4. Trop beau. Donc, ça, c'est la collection. Wallpaper. Papier peint. Il est à 1,80€ la feuille. Ensuite, j'ai pris des formes, des clés en métal, on va dire. Pareil pour le Micmédia. Il y aura steampunk, je verrai. Donc, il y en a deux. Il y a deux sortes de formes différentes. Celles-là sont à 3,60€. Et donc ça, ce sont les... J'ai pris des encres distraites, mais je voulais essayer en spray. Vous voyez que ce soit dans un pack d'encre. Donc c'est bien protégé. De mieux. Alors, j'en ai pris trois pour déjà essayer. Alors, j'ai pris l'avant, on va dire. Donc, ça se prend comme ceci. C'est Distress Oxide en spray. Je voulais essayer la couleur.
Donc, c'est des flacons de 57 millilitres. J'ai pris un peu, mais alors, wow. Je l'ai en pâte dedans comme ça. Mais je voulais essayer en spray. Puis là, c'est une oxaille. Donc, un bleu turquoise comme ça. Et le troisième, on va dire en violet, mais c'est Dusty Concorde. Hein, comme ça. Donc franchement, j'ai hâte de les essayer. J'ai pris juste ces trois-là, genre pour essayer. Hop. Et cela était à pièce 5,90 €. Donc un pas dedans, c'est à peu près rien. Là. Et on a la box qui est toujours à 25 €. Alors ça c'est nouveau par contre. Un sticker à paillettes. Voilà. Je voudrais bien monter sans tout déchirer. Mais il colle bien. Voilà. Désolé, pas de bruit. On va faire un peu. Voilà. Il y a un sticker comme ça. Ça fait trop de bruit. Alors, on a toujours la feuille pour dire ce qu'il y a dedans. Alors, attends. Hop, je vais le mettre tout dedans. Et alors, oh là là, on a plein de choses. Alors, la box d'avril. Attendez. Un stand paper. C'est ça. Je vais voir que c'est le stone paper. Ah, ça doit être ça, je pense. Il y a une feuille. Ça doit être ça. Non, c'est ça. Ben, je ne sais pas que c'est le stone paper. Ben, je vous montre. Il y a le papier. Donc, c'est des feuilles 30,5, 30,5. C'est le style steampunk. Ça, c'est le premier. Et le deuxième, ça va être dur de choisir le côté. On a celui-là. Et de l'autre côté, alors c'est la collection à l'âge de la technologie. Regardez. Là, il y a moyen de le couper en deux. C'est de moi que ça va couper l'autre. Ils sont trop beaux ces papiers. Je sais pas. L'autre est juste un côté. Et ensuite, on a deux feuilles de craft pour la gomme en 30,5. Il y a deux feuilles. Ensuite, bon, ça c'est les cartes-socs, ouais. Une feuille 13A. On va ouvrir celui-là. Ah, c'est magnétique. Là, et puis là, je vais le... Je ne vais pas le coller. Bon, il s'enlève tout seul. C'est du... Un peu comme une code de matcasse. Hop. Voilà. Et on va mettre encore un bout. Voilà.
Et là, nous avons... Waouh, c'est ça, le Stone Zephyr. Attends, hop, je vous enlève quelqu'un. Alors, je connais pas. Oui, heureusement, ils font le 5 de... Enfin, pas tarder à mettre le... À mettre le tuto. Alors, est-ce qu'il y a marqué en français? Papier de spécial de fibre naturelle, super étanche, ne se déchire pas, peut être percé, coupé, cousu, découpé et décoré avec d'autres papiers, pochoir et peinture acrylique. Ouais, ça m'a l'air compliqué. En fait, il faut utiliser la colle Micmédia Glue pour coller le papier et fixer les décors avant le lavage. Faut qu'elle m'explique ce que c'est. En fait, on fait ça avec. Donc, la taille, c'est du Stamperien. La taille, c'est, j'ai vu ça, 29,7 sur 42, et c'est du 3,6. C'est un peu comme du... Je sais pas en quel... Carton en fibre naturelle. Pardon. Ouais, c'est les fibres naturelles. Et voilà ce que vous pouvez faire. Pour l'instant, je ne sais pas plus. Hein. Ensuite, dedans... Oh mon Dieu! Oh la tuerie. Donc on a du papier gris. Regardez-moi ce papier. Alors j'avais prévu un truc. Mais vu comment ça présentait, j'ai oublié de trouver autrement à le faire. Oh, c'est dommage de découper tout ça. Dans le déchiré. C'est du format A4. Oui. Waouh. Tuerie. Ensuite, nous avions élastique. Oh la face. Alors là, grosse surprise. Parce qu'en fait, quand on achète la box, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. On aperçoit. Mais alors là, ça va être les premières que j'ai. Alors, je vous enlève pareil le scotch. Ça risque pas de se sauver. Hop, hein. Bien collé. Oh la face, j'aurais jamais pensé. Hop. Alors nous avons des peintures, mais pas n'importe lesquelles. Des peintures. Waouh. Stamperien, je ne savais même pas que ça existait. Alors, il y a 60 millilitres. Il y a des noms dessus. Non. C'est Stamperien. Alors, la couleur. Ocre quelque chose. Ensuite, on a terre de sienne. Elle est canon. Ça. Et l'autre, terre d'ombre. On sait beaucoup dans les marrons, ocre. Waouh, waouh, waouh. Alors là, c'est la deuxième que j'ai. Troisième. C'est la plus belle jusqu'à présent. Des peintures Stamperien. Je connaissais même pas. Wow. Ensuite, on a... Alors là, je connaissais pas non plus. Alors, ah oui. On a une horloge. C'est fragile, hein. C'est du carton.
On a tout monté l'horloge. On a même la place parisienne, le mécanisme. Et là, ça doit être le mécanisme pour tout attacher. Je ne vais pas trop l'ouvrir, que je ne vais pas la faire tout de suite, celle-là. J'ai celle de avril à faire. Mars. Génial. Ah, ils appellent ça des rouages. Oula. Une pâte, une lava. Lava paste. Je ne sais pas ce que c'est. Alors là, je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors, c'est tellement petit. C'était marqué. Non, il n'y a même pas mis en français. Donc, c'est une pâte. Une pâte. Ça sent bizarre. C'est une pâte très onctueuse, très légère. On dirait une crème. Oh, attends. Oh, ça colle un petit peu, mais. Waouh! Je vais la refermer. Alors, je sais pas. Je sais pas du tout ce que, à quoi ça sert. De toute façon, on a un tuto de deux personnes du groupe. Enfin, les administratrices du groupe. Dont Scrab & Me qui font à leur sauce, qui nous expliquent. Et après, ça peut donner des idées. Donc, c'est un flacon de 50 millilitres. Et je ne sais pas du tout ce que c'est. Ensuite, on a... Oh là 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 là. Mon Dieu, j'aurais jamais... Oh la vache. J'ai jamais aussi grand. Alors, on a un tampon à all, un créatif. Wow. Regardez-moi que la taille de la poussière. Je vous montre le dessin. Mon Dieu, mais comment on fait ce tampon? Oh là 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 là. Attends, je crois que c'est à l'envers. Non. Non, il fait un endroit. C'est parce que je le vois à l'envers, non. Wow. C'est quoi ce tampon? Il est énorme. Il est exclusif, hein, je veux bien le croire. Et mon Dieu, il est énorme. Je sais pas comment on va faire pour. Si je pourrais utiliser ma. Comment on appelle ça? La planche à tampon. Parce qu'autrement, on voulait faire comme moi. On ne serait pas tout. L'avantage, c'est qu'on prend les morceaux. Quand j'espère qu'il va rentrer dedans. Waouh! Il est énorme! Donc, la feuille de riz, je vous l'ai montré. La découpe horloge. Ah non, il y a des rouages. Ensuite. Je vais vous montrer tout. La découpe horloge. Les connecteurs et un bras. Ce qui était un petit papier. D'accord. Pour les abonnés, il y a un petit cadeau. Elle met à chaque fois. Donc il va arriver plus tard. Un pochoir. Waouh. Bah alors là, on me la reprend celle-là. Déjà ça, j'ai hâte de voir les tutos qu'ils vont me proposer. Je sais pas du tout ce que c'est que ça. Enfin, comment on fait. Et alors, je suis là non plus, la pâte. Ouais. Alors, dessus, Mich Media Glue. Ah, s'il faut une colle pour la coller,
Je sais pas comment on fait. Donc, eux... Ben, c'est pas marqué en français. Je sais pas ce que c'est le sandpaper. Enfin, comment on travaille. C'est trop canon. Bon, alors, la box de... Avril. Une tuerie. Ah, attendez. Je vais juste enlever. Il y en a les papiers. Je vais remettre tout dans la boîte. J'ai pas envie que... J'ai pas envie que ça s'abîme. Mais alors, le tampon. Oui, j'ai jamais vu un tampon aussi grand. C'est énorme. Oui, calme, il y a plein de cartes. Regardez. Plein de cartes, je veux dire. On a les textes, on a la cage. On a les engrenages. Oh, c'est excellent. Il est à tomber. On a l'ampoule. C'est vraiment du steampunk. Waouh. Ben, trop hâte de... Bon, il va falloir que je fasse d'abord celle de mars. Franchement, c'est une tuerie. Voilà. Je vous en ai plus. Et je vous donne juste quelques nouvelles de coton. Oui, dans la première vidéo. Coton fait tous les 4 mois une prise de sang pour surveiller son foie. Et quelques jours, je le trouvais fatigué. Et il s'avère qu'il a une anémie. C'est pas grave, vous inquiétez pas. Là, il a un traitement. Faut le surveiller, faut éviter qu'il fasse trop d'efforts. Donc, les battre pendant son... Le temps que le médicament fasse effet. Donc, il a des médicaments énormes comme ça. À base de fer et de plantes. Et repris le soin dans 15 jours. Pour vérifier. Et comme le dit le veto, il est à un tiers des globules rouges en moins. Donc, il en manque beaucoup. Mais il est vraiment, il mange, il fait la fête. Normal, hein. C'est juste qu'il est pas à plat. Donc voilà, sinon il va bien, ne vous inquiétez pas. Hein, mon coton? Crevé. Voilà, ben moi je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et je vous souhaite un bon week-end. Et surtout, faites attention à vous. Bye bye tout le monde.